Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 22 mars à 20h à la Grande Loge de France au temple Pierre Brossolette pour notre soirée annuelle de lutte contre le sida. Nous serons en partenariat, comme chaque année d'ailleurs, également avec le fonds de dotation de la Grande Loge de France et le congrès Île-de-France. Cette soirée est particulièrement importante afin de pouvoir récolter un maximum de dons pour la recherche médicale que notre grand maître Thierry Zaveroni a voulu mettre en avant depuis l'année dernière. Vos dons l'année dernière ont permis d'aider la jeune chercheuse Diana Briska à ses études, au travail qu'elle effectue à l'Institut d'infectiologie de Montpellier, et nous espérons bien que cette année nous pourrons poursuivre ses dons afin de l'aider dans ses recherches. Elle vous expliquera dans une vidéo que nous avons reçue où elle en est et ce qu'elle compte faire dans le futur. Nous vous remercions bien évidemment pour tous vos dons. Nous avons des intervenants exceptionnels cette année, avec notamment la pianiste reconnue internationalement Shani Di Luca, qui viendra nous présenter quelques morceaux de son choix et présenter également des œuvres sur le sida et sur le VIH qu'elle pourra nous commenter. Nous aurons aussi la participation du professeur Jean-Philippe Spano, oncologue à l'hôpital La Pitié-La Salpêtrière, et bien sûr la directrice générale du SIDAction, Florence Thune, qui sera présente à nos côtés. Le petit plus cette année, c'est que la marraine de la soirée SIDAction de la Grande Loge de France est la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, qui nous a fait l'honneur d'être présente auprès de nous et d'être avec nous donc tout au long de cette soirée. J'espère que vous viendrez nombreux, nous vous attendons et je vous remercie vivement.